Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Béchalach, la paracha dans laquelle nous allons voir la traversée de la mer Rouge. Finalement, après près d'un an de 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, Pharaon a compris en venant voir Moïse et Aaron en leur disant que j'ai fauté. Effectivement, il y a un Dieu, pas comme il avait l'habitude de dire au départ, c'est moi le Dieu. Et demanda à Moïse et Aaron de quitter l'Égypte. La paracha de cette semaine, on parle comme quoi le peuple juif est en route vers le mont Sinaï, mais arrive face à cette mer rouge qui est totalement fermée. Peuple juif pris en panique, et comme on connaît l'histoire, finalement Dieu ouvra la mer rouge afin que le peuple juif puisse passer à l'intérieur comme si c'était la terre sec, et juste après se referma sur les Égyptiens qui se sont noyés dans cette mer. Face à ce miracle, le peuple juif chanta cette fameuse chanson ensemble avec Moïse, Az Yashir Moshe Ovne Israël. Alors, chanta Moshe le peuple juif. Et comme on sait ce que nous apprenons, Rashi le mentionne, que de là aussi on apprend comme quoi il y aura la résurrection des morts, la venue de Mashiach, du fait que la Torah parle ici au futur, qu'à ce moment-là chantera Moshe le peuple juif. On sait très bien que de là on apprend aussi la venue de Mashiach dans la paracha de cette semaine. Mais ce n'est pas la seule chanson que la paracha nous raconte. À la fin, nous avons la Haftara, dans laquelle on parle encore une fois d'une autre chanson. Cette fois-ci, la chanson de Dvorah, la prophétesse Déborah. Prophétesse Déborah qui, une centaine d'années après que le peuple juif est rentré en Israël, il y a eu cette guerre dans laquelle il fallait abattre son chef de guerre, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas les choses de manière la plus adaptée face à ce que le peuple juif est venu rentrer en Israël. Et causait beaucoup de troubles, beaucoup de pertes chez certains des tribus du peuple juif. Il fallait sortir en guerre contre lui. Il y avait Barak avec la prophétesse Déborah qui sont partis en guerre. Grâce à Dieu, nous avons gagné la guerre. Le chef de guerre, Sisra, du camp opposé, est tombé, mort, a été tué. Et c'est comme ça qu'on voit que Déborah chantait cette chanson pour remercier Dieu pour les miracles qui viennent de se passer face à cette victoire. Sauf qu'on voit ici une différence entre la chanson qui a été chantée dans la sortie d'Égypte face à la fermeture de la mer Rouge, une fois que le peuple juif a été sauvé, et la chanson qui a été chantée par Déborah une centaine d'années après que le peuple juif est rentré en Israël. Dans la première chanson, la chanson masculine, si on peut dire, c'est Moshe qui chante et qui dirige cette chanson ensemble avec tout le peuple juif. Oui, effectivement, la Torah fait mention qu'il y avait aussi Myriam, la sœur de Moshe, avec les tambourins et les femmes qui étaient en train d'accompagner la chanson chantée par les hommes. Mais la Torah fait clairement allusion au fait que c'est Moshe qui chantait ensemble avec tout le peuple juif. Alors que dans la chanson que nous parlons, dans la Haftarah, c'est une chanson qui a été lancée par Déborah, suivie par Barak, son chef de guerre, chef des armées, avec tous les autres qui se sont joints à cette chanson pour remercier Dieu pour le miracle. D'un côté, nous voyons ici la chanson gérée par les hommes, de l'autre côté, la chanson dirigée par une femme, prophétesse Déborah. Le Rabbi, dans une lettre adressée aux filles en terminale, filles de Beit Rivka aux États-Unis, montre une différence d'approche, justement, entre le monde masculin et le monde féminin. Deux mondes qui ne sont pas seulement distincts physiologiquement, mais dans la manière de comment gérer un conflit, comment gérer une guerre. Dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux types de guerres. Il y a la guerre lointaine, et il y a la guerre qui est proche, dans la maison, la famille, la société. La guerre lointaine, c'est tout ce qui pourrait éventuellement faire peur au peuple juif, tout ce qui pourrait faire du mal au peuple juif. Comme dans le cas de Moshe, on a ici Pharaon et son armée qui sont là en train de poursuivre le peuple juif, vouloir les attaquer parce qu'ils regrettent le fait qu'ils sont partis. À ça, c'est Moshe qui s'en prend avec le monde masculin en train de chanter. Ils sont là pour combattre cette guerre de ce qu'on peut appeler l'ennemi extérieur. Mais il y a l'ennemi intérieur, ce qui se passe dans la maison, ce qui se passe dans le foyer, ce qui se passe dans l'éducation des enfants, ce qui se passe au quotidien. Gérer, si on peut dire, les problèmes du quotidien. S'assurer qu'au jour le jour, les choses se passent de la meilleure manière possible. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Torah appelle la femme « Akeret Abayit », qui veut dire l'essentiel de la maison. Quand on parle de cette guerre qui se passait en Israël, dans la maison, sur notre territoire,
Là, c'est Déborah qui gère la chanson, qui gère cette guerre de ce qu'on appelle l'ennemi interne. Voilà une distinction entre les deux visions du monde, les deux approches qui sont les deux nécessaires. Mais vient la Torah nous faire passer le message que aussi important c'est de se battre, de confronter l'ennemi extérieur, l'ennemi lointain. Et à ça, la Gemara, la Halakha fait allusion que c'est la force masculine qui est là, parfois pour se battre avec beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de force, quand on parle de ce qui pourrait être l'ennemi intérieur. Là, on a besoin d'avoir l'aspect féminin, qui est avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de miséricorde, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de compréhension. C'est pas par hasard que Parashat Beshalach tombe presque chaque année, dans la semaine dans laquelle tombe aussi le 10 Shvat. Cette semaine, qui est le jour que le Rabbi Lubavitch a pris le leadership du mouvement Chabad, devenu le leader du peuple juif, il y a 69 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret de la révolution planétaire que le Rabbi a mis en place depuis 1950 et qu'on la voit continuer chaque jour sur toute la planète, sur tous les continents, avec cet amour du prochain, cette approche que malgré qu'un juif peut parfois faire quelque chose qui n'est pas en phase avec la halakha, on a le devoir de tout faire pour l'aimer, pour lui montrer comment il a une neshama, il a une âme juive, comment il est cher aux yeux de Dieu, lui donner la possibilité de comprendre, d'avancer, de pratiquer, mais par amour. Quand on a en face de nous un juif qui ne fait pas Shabbat, mis à part le fait de vouloir lui enseigner, la première des choses, on a le devoir de l'aimer. Pas en lui jetant des pierres, pas en lui criant dessus, pas en le rabaissant, pas en faisant des manifestations dans certains quartiers, comme malheureusement parfois ça peut exister aujourd'hui dans certains endroits où il y a une concentration religieuse en Israël. Mais le Rabbi qui nous a toujours montré qu'à la place de vouloir insulter un juif du fait qu'il ne fait pas Shabbat, à la place de lui crier dessus qu'il est en train de profaner Shabbat, invite-le à un repas de Shabbat, invite-le à pratiquer Shabbat, montre-lui la beauté de Shabbat, montre-lui la beauté du mitzvah, montre-lui la valeur du mitzvah, que ce soit Shabbat ou n'importe quel autre mitzvah. À la place de vouloir agir avec une haine, à la place d'agir avec une manière destructive. Quand on parle de ce qui pourrait parfois être considéré comme un ennemi intérieur, on a le devoir de tout faire pour lui montrer notre amour, notre compréhension, notre empathie, afin de lui montrer la beauté des mitzvot. Et grâce à ça, le faire revenir à ses sources, à son origine, aux valeurs de la Torah, les mitzvot qui sont les siennes, comme les nôtres, sans aucune distinction. Cette révolution que l'on a bien mis en place depuis 1950, c'est le devoir de chacun d'entre nous. Rabbi a transmis cette mission à chacun d'entre nous sur Terre de s'assurer de faire en sorte de partager notre savoir, de partager notre connaissance, de partager cette lumière de la Torah et les mitzvot avec n'importe quelle personne avec qui nous sommes en contact, qu'il soit religieux, qu'il ne soit pas religieux, qu'il soit pratiquant, qu'il ne le soit pas encore. Pas en lui tapant dessus, pas en le rabaissant, pas en le critiquant, pas en lui montrant comme quoi il ne vaut plus que rien, mais au contraire, lui montrer la valeur et la beauté de la Torah et les mitzvot. Et grâce à ça, s'assurer que lui aussi commence à goûter à cette beauté, à cette merveille qui est la Torah, la joie de la Torah, la joie de pratiquer les mitzvot. Et grâce à ça, chacun d'entre nous rend ce monde un monde meilleur. Prenons ensemble cette décision cette semaine en cadeau, à ce magnifique cadeau que le Rabbi a donné à la planète. Mettons en application son souhait afin de faire venir Mashiach très rapidement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.